On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo ASMR. Aujourd'hui. Cher futur moi ou toi. Aujourd'hui, 18 novembre 2018. Je suis à Boulogne. En fait, je suis à Boulogne maintenant. Et là, actuellement, je travaille pas. J'ai pas eu mon bac. J'étais en intérim pendant un mois, un bâtiment. Ça te faisait vraiment chier. Pour le moment, tu es toujours pas focalisé sur un métier parce que tu sais toujours pas ce que tu veux faire. Tu veux peut-être aller à l'armée, tu veux aller pompier et tout. Mais sincèrement, enfin, il y a plein d'autres choses. Et mon plus grand rêve, enfin, j'espère que tu l'as réalisé, c'est d'être riche. Faut que quand je te verrai, enfin, quand tu me verras, enfin, je sais pas, quand tu verras cette vidéo, normalement, tu dois être riche. Tu vois, 28 ans, tu es riche, tu as ta maison, tu as ta voiture. Tu as toujours rêvé d'avoir une Audi RS3 ou RS6 en fonction de la richesse que tu as. Oui, j'accorde vraiment une grande importance à l'argent parce que de nos jours, ben, sans argent, ben, on peut pas réussir notre vie, quoi. T'inquiète, c'est du vécu. Enfin, j'ai hâte de grandir, mais si j'ai hâte de grandir, c'est parce que je sais que tu vas réussir ta vie. C'est ça. J'espère vraiment que tu auras réussi ta vie parce que c'est quelque chose de super important. Faut que tu sois sérieux dans tout ce que tu fais. Sérieux. Parce que dans ton adolescence, c'est pas un truc que tu faisais tout le temps. T'étais sérieux, mais pas tout le temps. Mais là, même là, maintenant, tu es pas trop sérieux. Niveau caractère, ben, tu dois pas changer. J'espère que t'as pas changé. Que t'es toujours fidèle à toi-même. Toujours aussi combattant. C'est un peu bizarre, mais j'ai eu tendance à baisser les bras étant plus jeune. Parce qu'avant, j'étais assez défaitiste. Mais après, je suis vraiment devenu optimiste. Enfin, tu es vraiment devenu optimiste. Et j'espère pour toi que tu es toujours optimiste. Mais toujours aussi embêtant, toujours aussi souriant. Garde toujours ton caractère aussi. Parce que tu as un fort caractère quand même. J'espère que tu l'as gardé parce que sinon... Ça va plus aller. N'oublie jamais, comment dire, la citation que tu t'es toujours donnée. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a pas de défaite dans la vie. Je me suis toujours dit, il n'y a pas de défaite. C'est toujours de l'apprentissage, car on apprend toujours dans nos erreurs. Donc, tu auras vraiment intérêt à toujours garder cette mentalité de gagnant, de battant, pour que tu puisses réussir ta vie. C'était toi. Enfin, oui, c'était toi il y a 10 ans. Allez, salut. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver, je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.